Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de vous à moi assez courte. Je vous ai fait profiter un petit peu de la nature avec quelques interscènes que j'ai filmées dans ma maison. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre en campagne, enfin bref. Juste pour vous faire une petite mise au point par rapport à Vika pour ceux qui ne suivent pas sur Facebook. Donc lors de la dernière vidéo de vous à moi, vous avez prévenu qu'il y avait des complications, Vika, Cali. Je crois que c'est le jour où j'ai sorti cette vidéo là. Il y a eu trois bagarres dans la journée entre les filles. Vika a failli y laisser. Parce que Cali, c'est qu'elle fait quand même 20 kg de plus que Vika. Donc je voulais quand même vous tenir informé de ça pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook et aussi pour vous compreniez encore mieux la situation, parce que j'ai beaucoup de messages de soutien pour Vika, donc ça je vous en remercie, c'est vraiment très sympa. Mais il faut que vous compreniez aussi que c'est pas non plus la sainte dans l'histoire, puisque Cali a failli la tuer, mais il faut savoir aussi que Vika c'est une vraie teigne. Et c'est elle la plupart du temps qui ouvre les hostilités. Cali là avec moi. Donc, son oreille ça va mieux, son œil ça va mieux. Je suis en train de jouer avec elle au ballon. Vika ça va bien aussi. Elle est toujours à la maison en attendant qu'on finisse les chenilles. Donc les chenilles, c'est les deux petites images que je vous ai montrées dans l'intro. Donc celle où il y a l'arc comme ça va être pour Cali. L'autre avec la grande grille devant. Ça va être pour Vika, donc ces deux dépendances elles vont avoir à peu près 20-25 mètres carrés, plus 2-3 mètres carrés en extérieur. C'est pas des chenilles où ils vont vivre toute leur vie, c'est juste pour les séparer, le temps de les switcher dans le terrain. Donc par exemple, Vika sortira le matin, Cali l'après-midi, etc., etc. On fera des tours de rôle. Mais faut que vous compreniez bien que y a deux chiens et... Cali, quand elle est dehors, elle n'a rien à foutre de Vika qui est à la maison, elle fait sa petite vie, elle vient nous voir, elle joue avec nous, que Vika, quand même, dès qu'elle la voit à la fenêtre, elle l'attaque. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Vika était déjà à l'origine de bagarres avec Linka, donc ma vieille chienne que vous avez vue en vidéo la dernière fois, qui est maintenant décédée. Ça se passait très bien au départ, comme avec Cali, et du jour au lendemain, pour je ne sais quelle raison, elle s'attaquait à la vieille. Donc, faut pas oublier que Vika a une chaîne de la SPA, je suis a priori son deuxième, voire peut-être troisième maître. On ne connaît pas son passé. Hors de question pour moi de me séparer de l'un ou de l'autre, je les aime toutes les deux. C'est vrai que Vika est un peu plus mise en avant, puisqu'elle fait partie de Chasseur Panormal, et Cali est arrivée bien après. Mais c'est la seule solution qu'on a trouvée en ce moment. On m'a parlé de comportementaliste, on m'a parlé de tout un tas de trucs. Donc c'est très sympa, hein. Moi je prends les conseils, hein. C'est pas parce qu'on fait des chenilles que ça veut dire qu'elles ne verront plus jamais de leur vie. C'est vraiment pour l'instant temporaire. Et puis c'est ce qu'on disait aujourd'hui avec ma chérie, je fais au pire des cas, si un jour ça va mieux, c'est même des cages où on pourrait mettre des chèvres, des cochons, parce qu'on est en ferme, hein, donc on est un peu tranquille de ce côté-là. Donc il y a Claire qui est venue ce week-end donc pour passer un moment avec nous, lui faire visiter la maison, etc., le potager. On en a profité aussi pour partir en enquête. C'est prévu un peu à l'arrache le soir, mais l'après-midi on lui a montré Cécilia, Alain, et du coup le soir on a fait les deux lieux. Donc 1h30 de sortie pour chaque lieu. Il s'est passé des choses, oui et non, vous dérochez, hein, tout ça, donc on a fini quand même à plus de 3h du matin. Donc assez crevé. Mais bon, c'est des vidéos qui sortiront, je ne sais pas quand, quand j'aurai envie de les monter. Là, la prochaine qui va sortir, ça va être La Chapelle, que j'ai fait avec Cathy. Donc on est tous les deux. Après, j'ai fait un autre lieu, donc je ne sais pas si je vais le diffuser tout de suite ou je vais passer directement avec celle des filles qu'on a fait ce week-end. J'en sais rien du tout. Je voudrais profiter de cette vidéo pour demander, proposer à votre communauté aussi, l'année dernière avec des abonnés, donc du coup on a été au château de Fougeray. Et on était donc un groupe de, je crois, 8, il y avait Andy.
J'ai toujours les roches, donc avant de commencer quoi que ce soit, de toute façon, il faut que je contacte Véronique. Mais j'aimerais déjà vous demander votre avis. Est-ce que pour vous, c'est utile de le présenter, de le monter? Est-ce que ça vous intéresse de voir ce qui a été fait ce soir-là, sachant qu'on a fait plusieurs équipes, les abonnés, je les ai vraiment laissés peinards, ils ont fait leur truc avec mon matos, et après j'ai récupéré les rushs, donc moi je voilà, j'ai mis à disposition mon matériel, j'ai eu l'opportunité de les faire aller là-bas. On a eu des choses, on a eu aussi des choses expliquées. Je vous avoue que j'ai jamais regardé les rushs depuis. Juste quelques passages parce que sur le moment c'était assez impressionnant et du coup je voulais en avoir le cœur net assez rapidement. Donc dites-moi en commentaire si c'est bien de vouloir le sortir ou pas, si c'est utile ou pas. Là j'avoue que votre avis va beaucoup m'aider dans ma décision parce que je le fais pour vous et bon, j'ai déjà présenté une vidéo de Fougeray donc voilà. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé de Vika, donc vraiment pour que vous compreniez que Vika ce n'est pas une victime dans l'histoire, elle est aussi fautive que Kelly. Excusez-moi, je saute du coq à l'âne, mais ça vous avez l'habitude. Elle est aussi fautive que Kelly. Kelly c'est une brave bête, elle a 3 ans. Viens voir un peu là. Allez, viens, viens là, viens là, viens là. Voilà, qu'on te voit un peu. Kelly c'est une brave bête, c'est comme Vika avec les gens. Elles sont adorables, c'est juste avec les chiens. Et je veux pas continuer comme ça à ce que elles se battent, parce que Kali, elle est gentille à la base, elle n'a rien contre les chiens. Et je veux pas qu'elle, hop, hop, un peu depuis la caméra, elle volait. Et je veux pas qu'elle devienne agressive avec les autres chiens. Là, de toute façon, à chaque fois qu'elle se voit à travers la vitre, bah, Vika va en découdre. Sa patte, c'est guéri. La gorge, c'est presque guéri. Il lui reste à la tête, la croûte est partie, donc je continue de lui passer de la pommade et du désinfectant. Une fois que la collerette, c'est bon. Normalement, on devrait avoir fini le chenil. Donc elle va aller dans le chenil. Kali va prendre un petit peu la place à la maison, tout comme Vika a eu le droit. Ça va nous permettre aussi de faire le chenil de Kali, tranquillou. Du coup, après, on pourra commencer à switcher. Et d'où l'intérêt aussi de l'emmener, elle, maintenant avec moi. Qu'elle commence à prendre ses marques et je pense que toute seule ça sera vraiment la meilleure solution. Je répète, c'est vraiment une brave bête, elle fait que répondre aux attaques de Vika. Croyez-moi bien que Vika, Claire l'a vu ce week-end, c'est pour ça que je voulais vous parler de Claire tout à l'heure, dans son élément. Elle pourra répondre en commentaire du comportement qu'elle a vraiment hors caméra et hors paranormal. Malgré que vous avez pu voir que quand on fait des enquêtes, on croise des chiens, elle est hargneuse. Hein. J'essaye de la calmer, mais à chaque fois, j'en ai pour un moment. Donc voilà, vous savez un petit peu la suite des projets. J'ai commencé à contacter des personnes pour la... Enfin, une personne, même pas des, une. Pour faire ma première vidéo de la chaîne... qui n'est pas paranormal, mais que vous allez aimer parce que c'est en rapport à l'histoire et à la pierre. Le problème qui se pose, c'est que pour l'instant, bon, on a échangé que un ou deux mails, mais le côté paranormal a l'air vraiment de déranger. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est le premier contact et j'ai pas de support à lui montrer, ou alors c'est vraiment, il veut pas être attaché du tout à ça. Donc si je vois que j'ai su beaucoup de refus à cause de ça, je pense que je vais être obligé de faire une autre chaîne YouTube pour ça. Ça m'embête parce que j'aurais bien voulu tout condenser au même endroit parce que j'ai déjà pas mal de chaînes YouTube, mais j'ai déjà pas mal de boulot. Enfin, encore ça en plus, une autre communauté à gérer et ça commence à faire beaucoup. Même si je sais que dans cette communauté, il y en aura beaucoup du paranormal qui va me suivre. C'est pas évident pour tout le monde. Donc je remercie cette personne s'il m'accepte, s'il accepte le projet. Je sais même pas s'il va voir cette vidéo, mais dans ce cas, je le remercie quand même. J'ai continué, là il y a deux musiques, le temps d'une musique avec des images inédites qui vont arriver. Donc peut-être certainement une mercredi, sachant que cette vidéo que je tourne aujourd'hui dimanche, j'aimerais bien la faire aujourd'hui. C'est pour ça que je ne vais pas rester trop longtemps non plus, je vois que je suis déjà à 10 minutes.
Donc j'ai parlé le temps d'une musique, le château, le fait de Vika et Kali. À la base, c'était surtout ça, pour ça, cette vidéo. Voilà, autant aborder d'autres points en même temps. Et j'ai parlé des futures enquêtes qui seront en cours et des projets. Donc je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté en message privé, en commentaire sur mon groupe, sur ma page, sur YouTube. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. C'est vraiment sympa. On va dire que 99% des gens y comprennent. Donc ça veut dire que je me suis bien exprimé, du coup il n'y a pas eu d'ambiguïté, pas d'anguille sous roche ni rien du tout. Donc je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Enfin une bonne semaine maintenant, parce que ça se trouve avec ma connexion, ça va apparaître que lundi matin. J'espère que vous allez tous bien. Profitez encore des derniers beaux jours qu'on a, parce que bientôt ça va être l'hiver, ça va être un peu triste, on va changer d'heure et tout ça. Ça va être la Toussaint. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss.